par la France, exercice au ruban, Eva Serrano. Et nous arrivons, mon cher Michel. Et oui, la transition est directe des qualifications. Nous entrons dans la finale. Nous avons vu le petit tableau qui nous indiquait que nous retrouverons Elena Vitrychenko et Eva Serrano pour ce duel au sommet de la finale. Alors c'est Eva qui a le privilège de commencer. Au ruban. Au ruban. Elle a choisi elle-même cet engin pour la finale. Et là aussi, son nouveau programme. Ruban de 6 mètres. Qu'il faut toujours maintenir en mouvement. Évoluer au milieu, autour, avec. Faire corps avec ce ruban virevoltant. Tout cela semble excellent pour l'instant. Pas d'erreur. Belle spirale. Beau déplacement, bel enchaînement. Eva Serrano a progressé incontestablement. Sa médaille de bronze lui a fait du bien. Beau final. Exceptionnel. La performance aboutie. Eva. C'est vrai qu'Eva Serrano approche de ses 20 printemps. Eh oui, absolument. Née en 1978, Eva a atteint la maturité sur le plan technique. Elle le prouve après de longues années de travail et 97 a été pour elle l'année de tous les succès. Deux médailles d'argent au championnat d'Europe, deux médailles de bronze au championnat du monde. Voilà qui la met en confiance, mais qui en même temps lui met aussi la pression car elle ne peut plus décevoir. Mais elle a pris une telle dimension désormais que lorsqu'elle apparaît sur le praticable en concurrence avec les Russes, les Bulgares ou les Espagnols, qui sont les meilleurs gymnastes du monde en GRS, elle n'a pas de complexe,